Eh bien salut à tous mes chers amis gamers, ici MiFa24, on se retrouve pour ce 17e épisode sur MiFa24 Test et Conseils sur Black Ops 2. Cette fois-ci donc on passe à la toute dernière mitraillette qui est donc le Scorpion. Donc c'est une mitraillette automatique, offre la cadence de tir la plus rapide de sa catégorie. Donc la cadence qui est excellente, les dégâts qui sont excellents, la portée par contre qui est nulle et la précision qui est plutôt pas mal. Alors moi, ce que j'ai mis dessus, c'est que j'ai mis un chargeur rapide et une poignée ergo. Comme d'habitude, les atouts, c'est toujours les mêmes. J'ai mis atouts, donc poids léger, pillard, dextérité et conditions extrêmes. Et en arme secondaire, le B23R avec le chargeur à grande capacité. Alors les mitraillettes, je mets tout le temps les mêmes atouts. Et les équipements, par contre, sont variés. Pourquoi tout le temps les mêmes atouts? Parce qu'en fin de compte, une mitraillette, c'est ultra léger. Et avec poids léger et conditions extrêmes, donc ça nous permet de courir deux fois plus longtemps et deux fois plus rapidement parce qu'on est léger. En plus de ça, dextérité qui nous permettront donc quand on arrête de courir et de viser sur un ennemi, de viser deux fois plus rapidement sur lui. Et en plus de ça, avec le pillard, de ramasser des munitions par terre. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est ce que j'ai dit dans les épisodes précédents. Si vous voulez enlever le B23R pour mettre à la place soif d'atout 1 avec fantôme, faites-le. Comme ça, vous ne vous faites pas repérer par les radars ennemis qui est parfois vraiment casse-couille. Eh bien écoutez, on va se retrouver juste après pour une petite partie en match à mort par équipe pour vous faire voir de quoi elle est réellement capable et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Et bien nous revoici donc pour la suite de ce 17e épisode sur cette fameuse Scorpion. Alors à savoir, le Scorpion, il y a un vilain défaut, c'est la distance. Comme tout le monde sait, la distance c'est son incroyable défaut, mais c'est normal parce que c'est une mitraillette, hein, je le rappelle. Mais aussi, il n'y a pas de silencieux, donc du coup on se fait repérer facilement par les ennemis. Après les avantages c'est que notamment on a un tir rapide, on a un tir précis au corps à corps, et notamment sa cadence de tir qui est vraiment très élevée quoi, et très élevée et beaucoup de dégâts aussi. Chargeur rapide donc ça me permet de recharger deux fois plus rapidement, donc du coup j'ai un sacré avantage lorsque je suis à court de balles en plein face à face. Je peux sortir mon arme secondaire, c'est un sacré avantage aussi. Et la poignée ergo donc, qui me permet notamment... Attendez, je vais essayer de me concentrer. Hein. Je pense qu'il se trouve vers ici. On a pris le contrôle. Il y en a derrière moi. Oh, bien joué. Ah, le coup de cut, moi je l'ai chié. Le mec il lui chie pas quoi, par contre. Hein, putain. Bah, j'ai eu le réflexe quand même. Hein. Coup de cut. Bah, bon. Coup de cut dans le vide. Vous voyez, on peut les enchaîner. On peut vraiment les enchaîner, les ennemis. Vraiment. Par contre, c'est ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à mettre fantôme si vous vous sentez mieux avec un, avec le truc fantôme, parce que c'est vrai qu'on se fait repérer par les radars, enfin, par les drones. Pas cool. Mon ami aurait dû me laisser le kill, quoi. Il est vraiment pas cool. Hein. Méchant. On en approche. Et du coup, je vais contourner. Ok. On en attend. Ok. Voilà l'arme secondaire à quoi elle sert. Notamment, on le voit. Olé. Esquive. Ah là, par contre, eh ouais, là, j'aurais pas dû me retourner comme j'ai fait, quoi. Ce que j'aurais dû faire, là, à la limite, c'était de continuer tout droit, quoi. C'est con, j'ai fait une grave erreur. Là, vous voyez, ça c'est une astuce. N'hésitez pas à vous servir des tuyaux pour les contourner et de les tuer. Quoi. Faut pas. Putain, le mec, je le voyais là, il est plus là. Putain, mais casse-toi là, lui là. Mec, je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il m'envoie un message. Qu'est-ce que j'ai vu? Bien joué là, j'aurais pas dû retourner parce que je m'en doutais. Soit je me prenais des tirs, ou soit il. Effectivement, comme il a fait, me prendre une un petit C4 ou une petite grenade, ça c'était clair et net. Je sais pas pourquoi en fait, je suis revenu, j'ai fait une grave erreur, j'aurais pas dû le faire. Ça c'est des erreurs de pas faire. Je sais qu'il y en a un là. Et là il y a un sniper, je le tue parce que là il tue pas mal d'ennemis, enfin, pas mal d'alliés, je veux dire.
Voilà, ça peut galère, on n'arrive pas trop à avancer, il y a trop de snipers, moi je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de snipers, hein. Les mecs, ils se prennent pour Wartech, les mecs, ouais, on sort le snipe, vas-y, c'est parti, je sais pas ce qu'ils ont, honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont, et c'est énormément chiant, putain, et moi je les tue pas, tu vois, moi je les tue pas, lui, il me tue en une balle, comme ça, quoi, une balle dans la jambe, je suis mort, c'est vraiment chiant. Là, sniper, ils sont vraiment partout ces enfoirés. Ils me font chier quoi. Littéralement, ils me font chier. Hein. Regardez-moi ça. Moi, je lui tire dessus en premier. Hein. Je lui tire dessus en premier. Et bien évidemment, ben, c'est le snipe qui a l'avantage. Une balle, vous êtes mort. Ça, c'est. C'est un peu chiant, honnêtement. J'ai envie de faire demi-tour. Putain, ils arrivent. C'est trop tard. J'arrive à les enchaîner, c'est cool. Ça me fait 3 kills, 3-4 kills d'affilée. C'est sympa. Là, par contre... Oh non là, par contre, il a un bon shoot, lui. Hein. Oh, ce réflexe, quoi, qu'il a eu. Bien joué de sa part, quoi. Là, il y en a un. Bon, bah écoutez, j'ai réussi. Bon, j'ai fait un score de 1,88. Ça fait chier, j'aurais pu faire mieux. Mais bon, c'est comme ça, écoutez, c'est beau concept, hein. Je fais une classe, et je fais une partie et je vous fais voir. Je pense que j'aurais fait un meilleur score s'il n'y avait pas eu des snipers comme ça, parce que les snipers m'ont vraiment cassé mes kills, même cassé mes séries d'élimination. En tout cas, voilà, donc j'espère que cette classe-là vous fera plaisir, n'hésitez pas à commenter, à liker, de dire ce que vous en pensez, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, allez, bye bye tout le monde.